La coopération entre le Burkina Faso et la Taïwan se porte à merveille. Des acquis ont été engrangés par les deux pays grâce à cette coopération. Et justement, pour renforcer les liens d'amitié et de coopération, le Premier ministre Paul Kabatieba se rend demain à Taipei. Les énergies renouvelables comme alternative à la forte demande en énergie au Burkina Faso, le ministre de l'Énergie, des Mines et des Carrières encourage les hôteliers et les industriels à se tourner vers ce type d'énergie. Le professeur Alpha Ouma Dissa sera d'ailleurs l'invité de ce journal. Et puis, en plus des coupures d'électricité, la pénurie d'eau est une réalité vécue par plusieurs habitants de la ville de Ouagadougou. Cette situation paralyse les activités commerciales dans les zones les plus touchées. On fera le constat dans cette édition dans les quartiers Kuritenga et Belleville de Ouagadougou. Voilà pour le menu de ce journal sur la RTV. Bonjour à toutes et à tous. Mais tout d'abord, nous prenons la direction de Fadan Gourma. Un vent violent a secoué la région de l'Est dans la nuit du 13 au 14 mai dernier. Un vent violent suivi d'une grande pluie qui a fait de nombreux dégâts matériels. On fait le constat avec notre équipe sur place à Fada, Alassane Senrebego et Lambert Soma. Une forte pluie accompagnée de grêles de vent violent. La scène se déroule à Fadangourma. Nous sommes vendredi soir. Au secteur 3 de la ville, c'est le désarroi pour ce mécanicien. La pluie a causé d'énormes dégâts. Ah, vraiment, c'est de la catastrophe. C'est du jamais vu. On était assis ensemble ici. À un moment donné, ça a commencé à détoler un peu. Ah, nous tous, on était debout en train de regarder la chose, le mouvement. Ça a décortiqué les tôles. Bon, tout est noyé. Puis tout est mouillé. À la maison, il y a des pièces qui sont mouillées. Bon, il a tout enlevé les tôles. À quelques mètres de là, cette maison d'habitation a aussi subi la furie du vent. On ne savait pas comment on allait sortir. Elle avait son nouveau-né dans sa main. Moi aussi, je tenais mon enfant dans mes bras. Nous sommes obligés de fuir pour sortir au dehors. On va demander à notre parent, à la maman là, pour se berger là-bas la nuit, là, pour dormir un peu. D'ici demain, on va voir comment on va faire. Au cours de la nuit, le ciel ouvre une fois de plus ses vannes, laissant tomber la pluie. Au petit matin, les dégâts sont importants. Au CHR et aux alentours, que d'arbres déracinés, des boutiques détruites et des maisons d'habitation endommagées. Le président de la délégation spéciale et ses services compétents étaient sur les lieux pour évaluer la situation. Ce samedi matin, l'on enregistrait un blessé grave qui était pris en charge au bloc opératoire et quelques blessés légers. Aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée. La coopération entre la Chine, Taïwan et le Burkina Faso est au beau fixe. Plusieurs secteurs de développement du Burkina ont été boostés grâce à l'appui de la Chine, Taïwan. En retour, elle a bénéficié du soutien du Burkina Faso pour son intégration dans le Conseil des Nations. Dans l'optique de maintenir ce cap et de renforcer la coopération entre les deux pays, le Premier ministre se rendra demain à Taipei. En attendant, nous vous proposons un zoom sur les relations entre les deux pays. Arthur Ouedraogo, Abdelaziz Yagibou. Cette fluidité de la circulation dans sa partie est, Ouagadougou la doit à la vitalité des relations d'amitié entre le Burkina et la République de Chine, encore appelée Taïwan. Cet État d'Asie de l'Est a dû débloquer sous forme de prêt une somme de 12 milliards de francs CFA pour la construction de cet échangeur. C'est un acquis parmi tant d'autres au compte de la coopération taïwano-burkinabé. La coopération avec la Chine-Taïwan a débuté en 1961 et cette coopération s'est interrompue en 1973 et elle a repris en 1994. Dès 1995, il est mis en place une commission mixte de coopération. Donc c'est une rencontre de haut niveau, au niveau politique, accompagnée de techniciens, voilà, qui essaient de faire l'état des lieux
de la coopération. Et depuis lors, les échanges de visites se multiplient entre chefs d'État et officiels des deux pays. Sur l'échiquier international, le Burkina se positionne comme un fidèle soutien de Taïwan dans son combat pour sa réintégration à l'ONU et à ses agences spécialisées. En retour, le Burkina, dans sa quête de consolidation de sa démocratie, bénéficie de l'accompagnement de son partenaire. Un soutien qui se traduit par des apports financiers à l'organisation d'élections démocratiques, mais aussi au bon fonctionnement des institutions républicaines comme l'Assemblée nationale. À titre illustratif, l'hôtel des députés qui accueille actuellement le Parlement a été financé à hauteur de près de 600 millions de francs CFA par Taïwan. Mieux, ce dragon d'Asie de l'Est se dit davantage déterminé à accompagner le Burkina dans sa dynamique de renouveau démocratique amorcée au lendemain de l'insurrection populaire. On va discuter avec le gouvernement burkinabé les nouveaux projets qu'il croyait que c'est prioritaire. Si notre budget peut le contenir, on va le faire. Sur le front de la sécurisation du territoire, la République de Chine est l'un des soutiens sûrs du Burkina. À travers des dons d'équipements divers, le pays apporte un coup de pouce significatif aux efforts de renforcement des capacités opérationnelles des forces de sécurité et de défense. Une vingtaine d'années après le rétablissement des relations bilatérales entre le Burkina et la Chine-Taïwan, le bilan est des plus satisfaisants au dire des techniciens burkinabés du domaine de la coopération. Ils en veulent pour preuve les nombreux acquis enregistrés au plan socio-économique par le Burkina durant tout ce parcours. L'agriculture, la pêche, l'hydraulique, l'éducation, la santé, l'environnement, la culture, l'énergie, l'emploi, la formation professionnelle, les transports et le désenclavement sont autant de secteurs transversaux qui bénéficient de l'appui aussi bien technique que financier de Taïwan. Le constat est éloquent avec à l'actif de ce pays ami du Burkina l'octroi de plusieurs bourses d'études, la construction et l'équipement d'infrastructures socio-économiques. Lorsqu'on prend déjà les commissions mixtes de coopération de 1995 à 2014, la Chine-Taïwan a déjà injecté plus de 250 milliards de francs CFA donc dans la réalisation des projets et programmes de développement. Les projets de coopération pour 2015 et 2016, il y a quatre grands axes de coopération entre nos deux pays. Le premier, c'est l'agriculture. C'est plutôt le projet de la riz pluvial. Deuxièmement, c'est l'assistance technique médicale. Troisième, c'est la formation professionnelle. Le quatrième, c'est l'énergie renouvelable et une norme pour l'Afrique. Conformément à une disposition juridique commune, Taïwan et Burkina entretiennent des échanges commerciaux basés sur le principe du respect et des avantages mutuels. Les industriels et consommateurs taïwanais sont intéressés par certains produits burkinabés comme le sésame et le beurre de karité. En référence aux opportunités qu'offrent les deux pays, des hommes d'affaires de Taïwan s'associent à ceux du Burkina pour développer des filières porteuses. La vitalité de ces échanges commerciaux est manifeste sur le marché burkinabé où s'imposent divers produits made in Taïwan. Du reste, cette coopération bilatérale bute des fois sur des difficultés liées au déblocage de certains financements accordés par Taïwan. Points de blocage qui seront certainement discutés lors de la visite du Premier ministre Paul Kaba-Tiéba à Taipei, prévu du 16 au 23 mai 2016. Autre point de l'actualité, dans la région des Cascades, le ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat a visité des unités industrielles à Banfoura. Le ministre Stéphane Sanou s'est rendu notamment à la SM Sosuko et à la Minoterie du Faso. Objectif à toucher du doigt les réalités de ces industries qui connaissent des difficultés dans leur fonctionnement. Le point de la visite avec Hassan Gourabou et Kadou Romain-Ki. Les grands moulins du Burkina sont de retour dans le secteur industriel burkinabé. Après le périple des fermetures, la société reprend son envol dans la production de la farine de blé. Nos installations actuelles nous permettent de traiter par jour 150 tonnes de blé. Donc on peut avoir autour de 75-80 tonnes jour de farine. Pendant que la Minoterie du Faso renaît à l'espérance, la SN Sosuko, la société sucrière du Faso, elle, sombre plutôt dans le désespoir. La Sosuko peine à évacuer ses 40 000 tonnes de sucre ici stockées. C'est essentiellement dû au fait qu'il y a beaucoup de sucre de contrebande qui rentre dans le pays sans payer les droits qu'il faut. Pour le ministre Stéphane Sanou, en visite dans ses unités industrielles, c'est avec un pincement au cœur qu'il constate d'une part la mévente du sucre
et avec joie d'autre part de voir la minoterie du Faso renaître de ses cendres. Concernant donc la minoterie du Faso, on a vu de nouvelles installations, des équipements performants. Donc on aura aussi de la bonne farine. Pour la SN Socico, on a vu effectivement avec tristesse les stocks très importants qui existent là-bas. Le ministre Stéphane Sanou réitère la volonté de l'État à promouvoir la consommation des produits locaux, donc à accompagner autant que faire se peut les industries locales. Et s'il y a un secteur qui consomme beaucoup d'énergie, c'est bien celui des industries. Face au déficit énergétique que connaît actuellement le Burkina Faso, les industriels et les hôteliers sont encouragés à explorer d'autres sources d'énergie. La mixité des sources d'énergie permettra d'atteindre l'efficacité énergétique. C'est la nouvelle vision du gouvernement et le ministre en charge des questions énergétiques l'a expliqué aux industriels et les hôteliers des Hauts-Bassins et des Cascades. Karim Ilboudo, Sanoua Christine Koulibaly. Au menu de ce face-à-face entre le ministre Alpha Omar Dissa et les industriels et hôteliers des Hauts-Bassins et des Cascades, la maîtrise de la consommation énergétique. Au regard de l'écart entre l'offre et la demande, la vision du gouvernement Tieba est d'inciter ses gros consommateurs à aller vers d'autres sources d'énergie. S'ils vont dans ce sens et dans cette direction, nous gagnons tous. De leur côté, ils vont pouvoir réduire leurs factures d'électricité. Si globalement il y a moins de pertes et que la Sonabel arrive à maîtriser l'exploitation, il y aura moins de ruptures dans la fourniture. Ça permet de faire tourner leur process à plein temps et donc leur chiffre d'affaires va être révisé à la hausse. Une idée séduisante, mais qui nécessite un encadrement et un accompagnement adéquat. Nous, par exemple, aujourd'hui, nous avons à peu près besoin de 2 mégas pour faire fonctionner notre unité. Alors que nous sommes dans la quête de pouvoir transformer 10 000 tonnes de coton d'ici dans un avenir proche. Ce qui veut dire que nous allons avoir besoin de 5, 5,5, 6 mégas. Donc peut-être que c'est opportun de chercher d'autres sources pour diminuer cela. C'est clair que dans des nouveaux projets, il faut aussi qu'il y ait des textes qui puissent accompagner la bonne réalisation dans ça. Au ministre Dissa d'ajouter que l'Agence nationale des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique, bras opérationnel de cette politique en voie de mise en route, prendra en compte toutes ces questions. Et nous avons sur notre plateau le ministre de l'énergie, des mines et des carrières, le professeur Alpha Oumar Dissa. Bonjour monsieur le ministre. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on l'a vu dans le reportage, vous avez rencontré les hôteliers et les industriels pour leur expliquer le bien fondé des énergies renouvelables. Est-ce que ce type d'énergie peut réellement répondre aux besoins de ces hôtels et industries quand on sait que ce sont des gros consommateurs? Merci beaucoup. Il faut dire que notre démarche ici consiste à, d'une part, essayer donc d'amener les industriels vers déjà l'utilisation efficiente de l'énergie qui existe déjà et d'autre part d'essayer de les accompagner pour la mise en œuvre de leurs projets en matière donc de mix énergétique, donc en matière d'énergie renouvelable pour accompagner notamment donc le besoin d'énergie dans le secteur donc de l'industrie. Et il faut le dire, nous avons actuellement au Burkina plus de 100 mégawatts de déficit. Ce déficit est certes lié au déficit donc de l'offre, mais certainement ce déficit est aussi lié au fait que nous utilisons de manière non efficiente donc cette énergie. Et comme les industriels sont les plus gros consommateurs, nous avons donc essayé de les rencontrer pour niveler nos points de vue, de sorte donc à leur faire comprendre la démarche dans laquelle donc ou à travers donc laquelle le gouvernement s'est engagé, notamment donc la démarche en matière d'efficacité énergétique en réformant le cadre institutionnel pour pouvoir mettre des structures étatiques qui vont pouvoir accompagner ces gros consommateurs de sorte à pouvoir donc d'un côté les permettre d'utiliser l'énergie de façon efficiente et de l'autre côté de pouvoir les engager dans des projets donc d'énergie renouvelable, qui est aussi le mix énergétique
où la démarche du mix énergétique est une démarche également d'efficacité énergétique et qui va pouvoir donc les permettre donc de pouvoir se faire accompagner dans leur exploitation par des mini-systèmes solaires. Étant entendu, comme on l'a vu dans le reportage, l'un des industriels parle déjà du cadre institutionnel et de la loi, du cadre réglementaire. Effectivement, nous sommes en train de travailler avec l'autorité de régulation du sous-secteur de l'électricité pour mettre en place un texte sur l'achat et le rachat de l'électricité. Ce qui veut dire que s'il s'engage dans cette direction et qu'il y a un surplus, l'État, donc, dans le cadre donc, d'un accord d'achat d'électricité, pourrait donc payer le surplus donc, d'électricité produit par ces industriels. Alors, Monsieur le ministre, en plus des gros consommateurs, il y a les simples citoyens qui sont confrontés au même déficit d'énergie. Et quand on parle d'énergie renouvelable, comment un Burkinabé peut-il avoir accès à ce type d'énergie ou d'équipement et surtout à quel prix? Effectivement, nous, comme je l'ai dit, nous sommes dans une démarche d'efficacité énergétique. Pour l'instant, on ne peut pas forcer les populations à aller vers le solaire. C'est un plaidoyer et ce plaidoyer consiste dans un premier instant à dire aux compatriotes de regarder dans leur installation le minimum à la hauteur donc, de leur bourse. Je vais parler donc le minimum donc, d'équipement, notamment l'éclairage et la ventilation. Qui peuvent aujourd'hui être mutés au solaire à moins de coût. Nous essayons donc d'encourager les populations d'aller dans ce sens, ce qui va permettre donc de désengorger la Sonavelle. Est-ce que vous savez par exemple qu'au Burkina, l'éclairage représente 30% de la consommation d'énergie? Si nous nous engageons à muter l'éclairage sur le solaire et dans l'éclairage à utiliser des lampes économiques, nous pouvons diminuer peut-être aux deux tiers la consommation actuelle, ce qui représenterait plusieurs dizaines de mégawatts donc, qu'on pourrait dégager sur le réseau de la Sonabel pour pouvoir disponibiliser ces mégawatts auprès donc, des industriels qui en ont le plus besoin pour faire tourner donc, leur industrie. Et vous pensez que ce type d'équipement est accessible pour le Burkinabé moyen? Oui, je crois que pour le moment, les gens font un mauvais procès sur le solaire. Quand vous regardez dans les 5 dernières années, pour certains matériels solaires, le prix a presque été divisé par 3. Je pense que c'est le secteur où le coût évolue le plus vite possible et également la technologie évolue aussi très vite. Par exemple, il y a quelques années, je veux dire dans les années 2010, on n'avait pas de modules solaires qui allaient à des rendements de plus de 20%. Aujourd'hui, on a des modules de 40% de rendement. Et aujourd'hui, on a également des panneaux de qualité qui sont produits à travers le monde, que ce soit sur le continent européen, américain ou asiatique. Donc, je pense que dans notre contexte, la source la plus abondante pour un pays comme le Burkina, c'est la source solaire. Et dans la démarche de mix énergétique, il serait vraiment dommage qu'on laisse cette opportunité-là s'échapper et attendre que tout soit prêt pour dire maintenant que aujourd'hui la technologie, la transition énergétique est finie, tout le monde a basculé vers les énergies renouvelables, notamment le solaire, et que maintenant le Burkina va commencer à accompagner. Il faut qu'on aille et nous pouvons être un pivot au niveau donc de la sous-région, un pays pivot. Et aujourd'hui, comme je le dis, nous importons l'énergie des pays voisins, mais moi je suis convaincu que si nous allons dans cette direction, dans les années à venir, nous allons inverser le sens du courant et c'est nous qui allons apporter aux pays voisins. D'accord. Alors, Monsieur le ministre, on sait aussi que les acteurs de l'informel qui font la promotion des énergies renouvelables telles que l'énergie solaire ont besoin de l'accompagnement des institutions bancaires qui, en retour, veulent des garanties. Vous avez eu à rencontrer même les responsables des institutions bancaires pour faire le plaidoyer. Aujourd'hui, qu'en est-il? Ils sont aptes à accompagner ceux qui font la promotion des énergies renouvelables? Tout à fait. Sur le point, du point de vue technique, tout est déjà réglé. Nous avons fait un appel à manifestation d'intérêt. On a recruté un certain nombre d'entreprises qui peuvent nous fournir le matériel comme qui peuvent installer. Et également avec les banques, nous avons déjà un canevas déjà d'opérationnalisation du programme. Maintenant, avec les banques, la question qui est resté sur laquelle donc nous sommes en train de débattre aujourd'hui, c'est la question du taux d'intérêt. Nous aurons voulu que, comme c'est une question qui a un caractère un peu social, qu'on aille à des taux d'intérêt qui puissent permettre donc aux populations
de pouvoir rembourser rapidement donc ces prêts. Et donc l'engagement de l'État dans ce sens ne peut qu'être que l'engagement social, accompagner les populations pour leur accès à l'énergie. Donc nous pensons que, là nous sommes en train de discuter avec les banques, là également c'est un plaidoyer pour qu'ils puissent en tout cas véritablement accepter un taux d'intérêt qui puisse faciliter donc la tâche aux populations, de sorte à ce que cette politique énergétique qui est une politique nationale puisse prendre la route. Et nous pensons également que les banquiers sont des acteurs clés de la vie économique, mais aussi sociale du pays. Et nous pensons que nous allons, dans les jours à venir, trouver un terrain d'entente pour finalement opérationnaliser de façon générale le programme. Étant entendu que quelques banques ont déjà commencé, quelques banques dans une vision peut-être unilatérale ont dû nous approcher et ont commencé parce qu'ils avaient déjà cette vision avant que nous ne généralisions donc le programme. Donc ces programmes sont déjà en cours et nous pensons que dans les jours à venir, nous allons pouvoir trouver un terrain d'entente rapidement et opérationnaliser le programme peut-être pour la période de pointe 2017. D'accord. Alors, monsieur le ministre, on va terminer en parlant de la CERA, la semaine des énergies et énergies renouvelables qui s'est tenue du 6 au 8 mai dernier. Quel bilan vous pouvez faire donc de cet événement qui était à sa première édition? Il faut dire que l'esprit de la CERA, la semaine des énergies et énergies renouvelables d'Afrique, c'est un esprit d'une vision pour les énergies renouvelables, notamment le solaire au niveau du Burkina. Nous voyons que le Burkina est un pays hub dans la sous-région, un pays hub à travers lequel donc le transit d'énergie dans le cadre donc du WAP de la CEDEAO pourrait donc avoir lieu et qui pourrait être un pays clé pour le marché de l'électricité dans la sous-région. Donc, en vision donc à ce marché de l'électricité qui est en train de s'installer, nous avons pensé qu'il est bon qu'on ait une manifestation donc sous-régionale dans le domaine des énergies et des énergies renouvelables que le Burkina va donc soutenir. Et c'est dans ce sens donc que la CERA a été initiée et nous avons eu l'appui du Centre des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique de la CEDEAO et CRIE. Nous avons également eu l'accompagnement donc du WAP. Et aujourd'hui, nous avons organisé la CERA avec beaucoup de pays, des pays d'Afrique de l'Ouest venant du Bénin, mais également d'Afrique centrale. On a eu des équipes venant du Gabon. Donc ça veut dire que pour une première, je peux dire que c'est plus qu'une réussite pour ce premier coup. Ça a été un coup donc qui s'est réalisé avec beaucoup de succès. Et moi, je pense que je suis très très heureux parce que je ne pouvais pas imaginer que pour un premier essai d'une telle manifestation, on aurait autant d'engouement dans la sous-région. Ce qui veut dire que pour la prochaine édition, nous allons travailler pour qu'il y ait des sessions pour les énergies conventionnelles, une session pour les énergies conventionnelles, une session pour les énergies renouvelables, et une session pour l'efficacité énergétique et une session particulière pour le solaire, en essayant donc d'implémenter Africa Solar qui est porté donc par le gouvernement et qui a toujours été organisé par le gouvernement en collaboration donc avec les deux yeux. Merci, monsieur le ministre. Je rappelle que nous recevions le professeur Alpha Oumar Dissa, le ministre de l'énergie, des mines et des carrières, venu nous parler des énergies renouvelables. Vous restez avec nous pour la suite du journal et on se rend dans quelques quartiers de Ouagadougou où les populations vivent non seulement des problèmes d'électricité, mais aussi des pénuries d'eau, une réalité difficile à vivre, surtout en cette période de canicule. Au quartier Kuritenga et Belleville de Ouagadougou, ce sont des habitants exaspérés qui voient leurs activités commerciales au ralenti. Une de nos équipes est allée à leur rencontre. On les entend dans ce dossier de Issaka Ouedraogo et Zalissa Sanfo. Cela fait quelques semaines maintenant que Safoura Ouedraogo préfère l'extérieur de sa cour à l'intérieur. Pour elle, dedans, il y règne une chaleur infernale. Et comme l'électricité fait défaut, vaut mieux faire des choix. Avec cette chaleur, si on pouvait utiliser les ventilos, cela nous soulagerait beaucoup. Mais sans courant, on étouffe dedans. Alors souvent, on est même obligé de dormir dehors. Difficile de dormir, mais pas seulement. Dans cet atelier de soudure, rien ne grince. L'activité a fait place au débat. Et dès que nous les abordons, comme s'ils savaient de quoi nous venions parler, ils nous accueillent en ces termes. On en a marre de toutes ces coupures.
Si vous venez pour parler d'autre chose, rebroussez chemin. Il est 11h30 quand nous franchissons les lieux. Et à les entendre, depuis qu'ils ont ouvert à 6h, le courant se fait toujours attendre. On est assis, on n'a rien à faire. Sans le courant, on ne peut rien faire, quoi. Ça crée beaucoup de problèmes. Ça force les rendez-vous. Nous quittons ce quartier Belleville pour Kuritenga. Ici, il n'y a pas que la nationale de l'électricité qui trouble le sommeil des habitants. La nationale de l'eau s'en mêle aussi. Dans ce quartier, pour avoir de l'eau, il faut dire adieu au sommeil profond et à la grasse matinée. Le rendez-vous avec l'eau, c'est de 1h à 4h du matin. Et même là, la pression ne permet pas d'avoir de grandes quantités, nous confient les habitants. Madame Yura Thérèse est restauratrice, mais faute d'eau, elle ne vend plus. Souvent, on peut faire une semaine ou deux sans eau. On est obligé de demander de l'aide à nos époux pour qu'ils nous amènent l'eau d'ailleurs. C'est juste pour les activités domestiques. Je vendais de la nourriture. Maintenant, c'est impossible. Le chômage guette aussi Lassina Koulibaly, lui qui est gérant de ce robinet. Normalement, cette période de chaleur devrait être sa traite. Pourtant, il ne réalise même plus le quart de ses recettes. Alors il nous confie, un mois de plus dans cette situation et il ne pourra plus subvenir aux besoins de sa petite famille. Autre point de l'actualité, le président du mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples de la province du Mouhoun reçoit le soutien de la structure nationale. Une délégation du MBDHP, avec à sa tête le président national du mouvement, s'est rendue à Dédougou hier samedi pour lui traduire ce soutien. En rappel, le président du MBDHP du Mouhoun avait été expulsé de la ville par les autorités coutumières de Dédougou. Yves Rwamba, Nayalagado pour la Sawadougou. Le mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples condamne l'expulsion de son président local du Mouhoun. Cette délégation, conduite par le président national du mouvement, est venue lui apporter son soutien et l'encourager à poursuivre la lutte. Nous sommes venus apporter notre soutien au camarade Kadenza Lamoussa, qui est le président de la section MBDHP du Mouhoun. Comme vous le savez, il a été victime dimanche dernier d'une tentative d'expulsion de Dédougou sur ordre du chef de canton. Nous avons trouvé cet acte pas normal. Ça nous a même indignés, ça nous a révoltés. Nous avons réagi, mais nous avons estimé qu'il était bon que nous nous déplacions physiquement pour lui témoigner tout notre soutien et l'encourager à poursuivre cette lutte. Pour suivre la lutte, le président de la section MBDHP du Mouhoun dit être engagé tout en saluant la visite du comité exécutif national du mouvement. Et dès le début, vraiment, le président et l'ensemble du mouvement est resté à notre côté. Et nous, on pense que ça, c'est vraiment quelque chose à saluer. Se déplacer, venir nous rendre visite, nous soutenir une fois de plus, je crois que c'est énormément grand. C'est un acte à saluer, c'est un signal fort. Ça nous réconforte et nous allons continuer notre mission. Et cette mission n'est autre que la protection, la promotion et la défense des droits humains. Nous sommes engagés à le faire dans notre province, jusqu'à preuve du contraire. Le président local du MBDHP avait été contraint de quitter la ville de Dédougou pour avoir enfreint aux traditions et qui refuse de les réparer. Il a regagné son domicile le lendemain après une réparation faite par les autorités. Une nouvelle structure de la société civile dénommée Mouvement en âme et conscience a vu le jour au Burkina Faso. Ce mouvement se fixe pour objectif d'œuvrer pour plus de civisme et d'engagement citoyen de la part des Burkinabés. Selon ses responsables, ces valeurs font de plus en plus défaut au pays des hommes intègres. Ils ont rencontré la presse hier pour justifier la création de leur mouvement. Issa Kafando, Abdoul Rasmane, Zongo. Il est créé ce 5 février 2016. Il est d'obédience apolitique et non confessionnelle. C'est le mouvement Âme et Conscience qui s'insurge contre la crise du civisme. Sur les tenants et aboutissants de ce jeune mouvement, explication du premier responsable. La décomposition de la société actuelle et la crise des pays occidentaux n'annonce plus rien.
Et nous, nous avons pensé que c'était une opportunité pour nous, Africains, d'inventer autre chose. On est tombé sur En âme et conscience. Les objectifs, c'est la promotion de la citoyenneté, du civisme et de la démocratie. L'incivisme est tel que il faut une association qui a des idées nouvelles pour influer sur cette situation. En vue d'un ancrage national et international, le mouvement En âme et conscience entend d'une part organiser des rencontres avec diverses autorités et d'autre part des conférences éducatives, surtout à l'endroit de la jeunesse. Un mot sur l'actualité à l'international. À Abuja, la capitale du Nigeria, a abrité hier un sommet international consacré à la lutte contre le terrorisme. Mais les débats se sont focalisés sur la lutte contre Boko Haram qui sème la terreur dans la sous-région. Le président français François Hollande a rappelé la nécessité de soutenir les pays de la sous-région pour combattre Boko Haram qui reste le groupe terroriste le plus meurtrier. La France, le Royaume-Uni, les États-Unis et 11 pays africains ont participé samedi à Abuja, la capitale du Nigeria, à un sommet international sur la sécurité entièrement consacré à Boko Haram. Si l'organisation islamiste a perdu du terrain ces derniers mois, elle reste une menace, a souligné le président français François Hollande. C'est Boko Haram, le groupe le plus meurtrier, le groupe terroriste le plus barbare au monde. Même s'il est difficile de faire des hiérarchies dans l'horreur. Nous devons donc appuyer les forces armées du Nigeria et des pays de la région, les aider à être plus efficaces, les accompagner autant qu'il est possible, former les personnels et donner de l'information. Il est indispensable que la communauté internationale s'engage davantage, a plus largement plaidé le président français. Du côté africain, le déploiement de la force multinationale mixte mise en place en juillet 2015 entre le Nigeria, le Tchad, le Cameroun, le Niger et le Bénin n'est toujours pas une réalité. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bon après-midi de dimanche sur la RTB et à très bientôt.